Pour le moment, l'M23 continue toujours à recruter, à former, à tuer vraiment la population civile, à rationner, à faire tout ce qu'ils veulent dans le territoire qu'ils occupent. C'est également ici à Mortibou que la résolution 2020, la MONUSCO a pu accomplir. Where our children used to study. So our children are no more going to school. They have become street children. Now we are really suffering. Sio kuona kwanza tumefurahi. Na njogizi wenye njoba nyako na sekirite mu mikono yawe ya dunia muzima batusaidie bagumbanishi marebelio zote za munu kivu ziishe tuende lima batoto basoma. Tunapenda mtufanyie nguvu kusema nisie turudie kwetu. Jua hapa tumeteseka sana, tuko na shida kusema mgumbanishe turudie kwetu. Pour nous, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que Ban Ki-moon est passé par ici. Lui-même, le patron des Nations Unies. Il n'a rien fait. Au contraire, les gens sont en train de subir des actes atroces au niveau de Kiboum, mais au niveau de Rutshuru. Alors, qu'est-ce que le Conseil de sécurité va venir faire de plus? On n'attend rien de ce qui est ce Conseil de sécurité, parce que la sécurité, nous devons le faire nous-mêmes ici, chez nous, en RDC. Et quand ils viennent ici, ce sont des promesses qui sont irréalisables. En fait, pour dire que nous attendons quelque chose, on ne croit pas. Le Conseil de sécurité nous promet toujours qu'il y aurait des drones, qu'il y aurait je ne sais pas quoi. Mais jusque-là, aucune chose, pas de réalité. Maintenant, nous voulons savoir quelle est la réalité, ce qui est d'M23. On ne voit rien vraiment de palpable pour mettre fin aux atrocités de Nord Kivu. Tous les membres du Conseil de sécurité sont déterminés à appuyer ce processus politique. Et le fait que nous allions aux trois capitales démontre qu'il y a que le Conseil de sécurité, non seulement il veut rappeler les engagements des uns et des autres, mais il veut également les mettre devant leurs responsabilités.